Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau, alors non, justement, il n'est pas nouveau, Samsung Galaxy Z Flip 4, un smartphone sorti l'année dernière, en 2022. C'est un téléphone que j'avais pas pu tester quand il est sorti l'année dernière, parce qu'il coûtait très cher, on était vers les 1200 euros. Et cette année, donc en 2023, juillet 2023, on peut trouver ce Z Flip 4 en dessous des 700 euros. C'est vraiment une super affaire parce que dans quelques jours, il va y avoir le nouveau Z Flip 5 qui va être annoncé, qui va sortir. Et donc Samsung, ils ont tapé très fort. Ils ont fait quasiment moins 40% chez tous les revendeurs. On peut le trouver à ce prix-là, chez Darty, à la Fnac, chez Boulanger. Donc j'ai testé ce smartphone. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour commencer cette vidéo un peu particulière, déjà je vais m'excuser pour deux choses. La première chose c'est la qualité de la vidéo puisque je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, mais justement j'ai abandonné mon iPhone 14 Pro pour ce Samsung Galaxy Z Flip 4. Donc habituellement je filme les vidéos que vous voyez sur la chaîne avec mon iPhone 14 Pro. Les vidéos à venir je vais essayer de les filmer avec ce tout nouveau Samsung et donc j'espère que la qualité vidéo sera équivalente on va dire. En attendant j'ai ressorti de mes tiroirs un vieil iPhone 6S qui traînait et donc cette vidéo est en 4K 30 images secondes alors que d'habitude c'est en 4K 60 images secondes et comme vous pouvez le voir au niveau de la luminosité et du focus c'est pas du tout la même qualité que d'habitude donc je m'en excuse. Et enfin au niveau purement technique vous voyez le retour du micro cravate, j'ai enfin reçu mon nouveau micro cravate, j'espère que la qualité du son va redevenir ce qu'elle était avant, donc on va voir ça, on va découvrir ça ensemble. Donc ce smartphone, j'ai passé quelques jours avec lui, ça fait presque une semaine qu'il m'accompagne partout. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez d'ores et déjà pu voir que je suis pour l'instant très satisfait de ce téléphone. Et tout au long de cette vidéo, encore une fois, je vais parler du téléphone compte tenu de son prix. Alors pas de son prix d'origine quand il est sorti il y a un an, parce qu'on était quand même à plus de 1000 euros, on était à 1099 de mémoire. Ça c'est la version 128 Go, ou en tout cas 256, la version la moins chère. Et donc on peut la trouver à 600. 99 euros seulement, 749 dans certains chez certains revendeurs, mais moi je l'ai eu à 699 euros seulement chez Darty. Alors ça c'est vraiment bluffant, je sais pas comment ils ont fait parce que même les concurrents chinois Xiaomi, Oppo, OnePlus, qui vous voulez, j'avais jamais vu un coup de promotion pareil, c'est-à-dire que tous les revendeurs d'un coup et aussi même les opérateurs, parce qu'en ce moment il y a des grosses promos chez Free, ils vous le proposent avec 1 euro seulement ce Z Flip 4. Donc Samsung, ils ont vraiment tapé très fort, ils ont réussi à faire moins 40% sur le prix d'un smartphone qui reste hyper actuel. Je vais y revenir en détail, mais on a un processeur Qualcomm Snapdragon 8 plus Gen 1, si ma mémoire est bonne. Et c'est vraiment très actuel comme processeur, même sur un smartphone qui vient de sortir cette année. Vous n'avez pas beaucoup mieux que ça. Donc là, franchement, ils ont vraiment tapé un grand coup. Et même moi, je me suis laissé séduire. Même moi, j'ai troqué tout mon écosystème Apple, sauf l'Apple TV sur, et mon MacBook, sur ce Z Flip 4 plus une Galaxy Watch plus des Galaxy Buds, les oreillettes de chez Samsung. Donc comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, on va terminer par les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. Je tiens à préciser que bien évidemment, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Samsung France. J'aimerais bien, mais c'est pas du tout le cas. Ce Z Flip 4, comme je vous le disais, je l'ai acheté chez Darty, et donc ils n'ont rien à voir dans la vidéo, mais j'espère qu'un jour, ils nous prêteront des téléphones, pourquoi pas le nouveau Z Flip 5 ou Galaxy Z Fold 5 qui va sortir d'ici quelques jours. Donc je rappelle, je l'avais déjà dit dans la vidéo de déballage, et je l'ai déjà dit sur certaines autres vidéos de la chaîne, mais en début d'année 2023, on m'a prêté un Samsung Galaxy Z Fold 3, que j'ai adoré. J'ai utilisé ce téléphone en tant que second téléphone pendant quelques semaines. À la maison, il servait un peu de tablette, parce que vous savez, le Z Fold, il s'ouvre un peu comme un livre, ça fait, quand on le déplie, une sorte de tablette. Et j'avais vraiment adoré ce téléphone, et depuis quelques années, si vous regardez régulièrement nos vidéos, vous avez pu voir que j'apprécie de plus en plus l'interface Samsung One UI, qui se bonifie avec le temps. Et donc, tout ça fait que quand j'ai vu le prix incroyable auquel est tombé ce Z Flip 4,
je me suis dit, bah franchement, ça vaut le coup d'essayer parce qu'il y a quelques jours, pardon, sur la chaîne, j'ai testé le Motorola Razr 40 Ultra, un smartphone qui vient de sortir, un smartphone sur le même format, comme ça, qui se replie de la même manière et dont les caractéristiques techniques sont très très proches, sauf que le Motorola Razr 40 Ultra, il coûte deux fois plus cher que celui-ci puisqu'on est à 1 200 €, on était à 1 199 €, et le Razr 40 Ultra m'avait beaucoup déçu sur plein d'aspects. Donc je me suis dit, ce serait vraiment intéressant que j'achète le concurrent, ou en tout cas même je dirais la référence actuelle, parce que depuis un an qu'il est sorti, ce Z Flip 4, il a quasiment aucune concurrence dans ce marché bien particulier des smartphones, on va dire, pliants. Et sur les smartphones, on va dire, de l'autre format, un peu le format tablette, vous savez, qui s'ouvre comme un livre, on a de plus en plus de concurrence, puisqu'on a Honor qui a sorti le Honor Magic VS, on a plein de téléphones comme ça, alors tous ne sont pas parvenus chez nous encore sur le marché français, mais il y a de plus en plus de concurrence et ça fait plaisir, mais Samsung reste quand même de loin, j'ai envie de dire, la référence sur ce marché bien particulier qu'ils ont créé eux-mêmes, hein, d'ailleurs, parce que quand les Z Fold et Z Flip sont sortis, il n'y avait que Samsung et puis petit à petit les autres les ont rejoints, comme par exemple le nouveau Google Pixel Fold. Alors, dans la catégorie des plus des choses que j'ai à mettre au crédit de ce Z Flip 4, on peut notamment citer l'ergonomie, je voulais en parler en premier, parce que c'est presque la principale chose qui m'avait gêné sur le Razr 40 Ultra, qui est mon seul point de référence. Donc j'ai beaucoup parlé du Razr 40 Ultra de chez Motorola dans cette vidéo parce que c'est le seul autre smartphone de ce format que j'ai déjà testé, utilisé personnellement. Et justement, l'une des choses qui m'avait le plus gêné, c'était l'ergonomie. C'est-à-dire que, en fait, le téléphone n'était pas au bon format. Quand je l'utilisais au quotidien, il y avait beaucoup de choses qui m'avaient gêné dans l'utilisation, dans le placement des boutons, etc. Et là, c'est vraiment l'opposé. C'est-à-dire que même si le téléphone, il ressemble beaucoup au niveau du format, du poids, etc., de la taille, eh bien, il y a quelques petites différences au niveau certaines dimensions, on va dire, et les boutons tombent vraiment bien sous les doigts. On sent qu'ils ont utilisé le téléphone avant de le mettre sur le marché, et on sent qu'il y a eu d'autres versions, donc Z Flip, Z Flip 2, Z Flip 3 avant, qui permet qu'ils ont amélioré justement cette ergonomie, c'est-à-dire que les boutons tombent vraiment là où il faut, c'est très pratique au quotidien, l'écran externe est vraiment pratique à utiliser, il est utile alors qu'il est beaucoup plus petit que sur le Razr 40 Ultra que j'ai pu tester. C'est vraiment un téléphone, quand on le sent, quand on l'utilise au quotidien, on sent que ça a été réfléchi, on sent que ça a été travaillé, ça fait beaucoup penser à un iPhone, c'est-à-dire que vraiment à chaque jour qui passe, on découvre des petites choses, on se dit c'est quand même très bien fichu, il y a plein de petits détails au quotidien qui sont très agréables, et quand on veut vraiment s'en servir d'une manière productive, c'est-à-dire que vraiment on est là pour travailler, pour faire des choses le plus efficacement possible, eh bien il n'y a rien qui nous freine au quotidien, c'est vraiment une ergonomie, je dirais, quasi parfaite. Et enfin, j'ai pu comprendre l'intérêt d'un téléphone qui se replie dans ce sens-là, parce qu'une fois qu'il est dans ce format-là, déjà, il est super joli, et au quotidien, bah, c'est tout bête, mais il prend moins de place, et il y a plein de moments où je me suis dit, c'est quand même super pratique, ce téléphone qui se replie, alors que sur le Motorola Razr 40 Ultra, j'avais pas eu du tout cette sensation, au contraire, je me suis dit plein de fois, mais ça sert à rien qu'il se plie en deux, parce que du coup, quand il est plié en deux, on peut rien faire. Donc c'est très étrange, honnêtement, mais à l'usage, eh bien, on comprend tout de suite la différence avec une vraie marque, si j'ose dire, c'est un peu méchant pour Motorola ce que je dis là, mais une vraie marque de smartphone qui en vend des milliers, des centaines de milliers par an et qui travaille sur ses modèles et qui améliore ses modèles, et donc du coup c'est très 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 différent comme expérience de ce que j'ai eu avec le Motorola. Bref, on va arrêter de parler, de faire cette comparaison. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que le design, je le trouve très élégant, les matériaux utilisés sont évidemment très haut de gamme parce que c'est un téléphone, quand il est sorti l'année dernière, qui était à plus de 1 000 €, donc du coup évidemment, il n'y a rien qui gigote, tout est super bien conçu, c'est de l'acier inoxydable, ça ne se raye pas, ça s'utilise très bien, le ressenti en main, le feeling est très bon. Évidemment, on est en dessous des 200 grammes, alors je dis évidemment parce que justement, c'est l'un des intérêts de cette gamme par rapport au Z Fold, le Z Fold étant plus grand, plus gros, plus lourd. Là, on est en dessous des 200 grammes, on a un design que je trouve très élégant, on peut le trouver dans un espèce de violet, un peu lavande, qui est très très girly, mais qui est très joli. Moi, j'ai préféré le prendre en noir, mais honnêtement, le violet est très réussi. Au niveau du design, vu que c'est de l'acier inoxydable, tout de suite, les gens
quand vous sortez le téléphone, comprennent tout de suite que c'est un produit luxueux, un produit haut de gamme. Et chaque utilisation, chaque son que ça fait, ça respire les matériaux de qualité. Donc, c'est très agréable. Alors, je voulais faire une toute petite parenthèse sur cette obsession des fabricants à faire actuellement des smartphones avec l'écart 0 mm entre les deux écrans. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Ça ne me gêne absolument pas qu'il y ait un petit écart entre les deux écrans. Donc, au contraire, je trouve ça peut-être plus safe niveau usure, niveau on pourrait endommager l'écran. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose, c'est un petit caillou, se coince. Alors dans mes poches, il y a rarement des cailloux, de la poussière ou du sable. Mais je me dis que peut-être cet écart pourrait sauver la vie de l'écran. D'ailleurs, je précise une petite chose par rapport au Motorola. Si vous avez regardé la vidéo, vous avez sans doute remarqué cette chose très étrange que je n'avais jamais vue sur un autre smartphone. Sur le Motorola Razr 40 Ultra, il y avait une protection d'écran pré-appliquée sur l'écran puisque l'écran n'était pas traité Gorilla Glass. Et il était précisé, quand on déballait le téléphone, il y avait tout de suite une sorte de disclaimer, de warning, de message d'alerte avec marqué « Si vous enlevez cette protection d'écran, la garantie n'est plus valable ». J'avais jamais vu ça de ma vie. Évidemment, c'est pas du tout le cas sur ce Samsung Z Flip 4. Il y a une protection d'écran qui était pré-appliquée, mais si vous l'enlevez, la garantie ne saute pas. Et si vous enlevez cette protection d'écran qui était pré-appliquée sur l'écran, il y a quand même le traitement Gorilla Glass Victus, donc du coup l'écran est résistant aux rayures, que ce soit donc l'écran principal intérieur ou l'écran extérieur. Aussi dans les plus, les points positifs, eh bien je voulais parler évidemment des performances sur ce modèle que j'ai là. Il y a 8 Go de mémoire vive et on a donc le Qualcomm Snapdragon 8 plus Gen 1. Alors les noms chez Qualcomm, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais franchement, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Les performances sont au top. On peut faire du multitâche, on peut faire des jeux, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne rame pas, tout est d'une fluidité. Vraiment, c'est un bonheur d'utiliser un téléphone haut de gamme comme ça. Ça me donne la sensation d'utiliser le S23 que j'ai testé en début d'année. On a des performances qui sont tout à fait comparables. Donc, c'est un vrai bonheur au quotidien. C'est super fluide. Il n'y a aucun moment, évidemment, où il y a un ralentissement. Donc ça, c'était, on va dire, convenu. C'était attendu, vu le prix de base du téléphone, mais je voulais quand même vérifier au quotidien, c'est un vrai régal. Et aussi, ce qui participe à cette impression de fluidité, c'est l'écran principal 120 Hz. Alors, c'est drôle parce que sur le Motorola Razr 40 Ultra, il y avait un écran 165 Hz. Honnêtement, j'avais pas ressenti une fluidité de ouf. Et là, on a un écran 120 Hz, on va dire plus conventionnel, mais c'est fluide en toutes circonstances. C'est super agréable, que ce soit en jeu, en utilisation, en multitâche. Donc ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Aussi, je voulais quand même faire une parenthèse sur tout ce qui est, on va dire, commun maintenant sur un smartphone haut de gamme. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas chez tous les fabricants, donc je voulais quand même le préciser. On a bien évidemment une étanchéité, le téléphone de mémoire il est certifié IP52 ou 53. On a évidemment, comme je disais, un traitement Gorilla Glass pour l'écran. On a un haut-parleur stéréo qui marche très bien. Donc quand vous écoutez un podcast de la musique ou vous jouez à un jeu, le son sort des deux côtés du téléphone, ça marche très bien. On a une charnière, je voulais en parler, qui permet de faire tout un tas de choses en mode plié comme ça. C'est super pratique, notamment avec ma Galaxy Watch, je peux activer l'appareil photo et visualiser les photos sur ma montre. Il y a plein de choses à faire. Dès que vous utilisez une application et que vous le refermez un petit peu de cette manière, il y a une petite icône qui apparaît en bas qui permet de justement switcher dans un mode où le contenu ne sera que sur l'écran du haut et l'écran du bas ne sera là que pour le clavier ou des choses comme ça. Donc ça permet d'avoir le téléphone quand vous voulez regarder un film, une série, il est posé comme ça, c'est super pratique. Donc ça, je voulais en parler avant d'oublier. Et justement, on parlait des photos et la qualité des photos est vraiment très très bonne. Je voulais vérifier ça parce que sur toutes les vidéos de test que j'ai pu voir sur ces modèle qui se replie, et bien souvent le point faible ça ressort justement sur les photos. C'est à dire que quand on prend un smartphone à 1000 € conventionnel, traditionnel, je pense par exemple au Honor Magic 5 Pro, au Vivo X90 Pro que j'ai pu tester depuis le début d'année, au Samsung S23 ou même les S23 Ultra qui sont plutôt vers les 1500 €, et quand on compare avec les smartphones qui se replient, souvent la qualité photo est moins bonne sur les smartphones qui se plient parce qu'ils ont une contrainte technique au niveau de la place, de l'encombrement, etc. Là, c'est un capteur principal de 12 mégapixels, on a un capteur ultra grand angle également, on n'a pas de capteur macro, ça faudra aller sur du Z Fold pour avoir un triple capteur photo. Là, on a uniquement deux capteurs photo. Le capteur photo principal, moi je trouve qu'il fait de très belles photos, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez voir par vous-même la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce Z Flip 4, mais honnêtement, alors le capteur selfie est très bon aussi, mais moi je trouve que pour un usage au quotidien, ça suffit largement, j'ai eu aucune photo floue, le seul truc, qui m'a un petit peu manqué, c'est de pouvoir zoomer. C'est vrai que vu que je sors d'un iPhone 14 Pro avec cette
cette possibilité comme ça de zoom x2, x3 en zoom optique, pas, non pas en zoom numérique, eh bien c'est la seule chose qui m'a un peu manqué. Et si on a ce budget-là, donc pas en ce moment vers les 700 euros parce que ça c'est exceptionnel, mais si l'année dernière, en août 2022, vous aviez 1000 euros, un peu plus de 1000 euros, vous aviez le choix entre un Z Flip 4 et le S22 ou le S22 Ultra, évidemment les photos étaient un peu meilleures sur un S22 ou un S22 Ultra. Et je termine les points positifs en parlant donc de l'écosystème que j'ai pu tester avec la Galaxy Watch 5 que j'ai au poignet depuis quelques jours, qui m'accompagne partout, ça marche très très bien. Les Galaxy Buds, donc ces oreillettes qui sont fournies, qui sont fabriquées par AKG et donc qui sont, on va dire, les oreillettes officielles. Il y a les Buds 2 et les Buds 2 Pro. Moi j'ai les Buds 2 Pro, la qualité du son est franchement super. Et il y a plein de choses qui se font automatiquement du côté du smartphone, du côté de la montre et des oreillettes. Ça marche très bien, c'est reconnu tout de suite. Donc ça, c'est un vrai plus également. Parce que les concurrents dans ces prix-là, encore une fois, je pense à Motorola, mais à plein d'autres concurrents, eh bien, quand ils proposent des téléphones très haut de gamme à plus de 1000 euros, il n'y a pas toujours tout l'écosystème ou alors il n'est pas toujours très abouti. Donc là, je voulais en parler parce que j'ai pu tester, ça marche très bien. Et je termine avant de passer sur les points négatifs, en rappelant encore une fois à quel point c'est exceptionnel, et je pèse mes mots, que Samsung, mais ça aurait été un autre, ça aurait été Xiaomi ou autre, j'aurais dit pareil, mais c'est absolument bluffant de voir que Samsung a réussi à faire un an après la sortie de ce téléphone, un rabais aussi important. Et il faut savoir que le téléphone que j'ai là, le modèle là, l'exemplaire que j'ai là, que j'ai acheté moi-même, quand on utilise des applications qui permettent d'aller voir dans les fins fonds de la carte mère, du processeur, etc., on arrive à obtenir la date de fabrication. Et il faut savoir que ce Z Flip 4, il est sorti d'usine en juin, donc le mois dernier. Donc c'est-à-dire que Samsung, ils ont vraiment été très forts, puisqu'en fait, ils ont fabriqué des centaines de milliers d'unités de Z Flip 4 et Z Fold 4, parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire une grosse promo et une grosse campagne de pub. Vous avez sans doute vu la pub qui est très réussie, d'ailleurs la pub télé, avec ces jeunes filles là, un peu en mode film d'horreur, qui courent pour ne pas être séduites par le Z Flip 4. Donc en fait, ils ont fait très fort parce qu'ils ont refabriqué des téléphones par centaines, par milliers, par centaines de milliers, et ils ont fait une promo de dingue, et ils se sont dit, bah comme ça, les gens, ils vont en acheter, on va faire une campagne de pub. Et à ce prix-là, honnêtement, à 700 euros, le rapport qualité-prix, même si on oublie le fait qu'il se replie, juste on prend la fiche technique, c'est mieux que tous les téléphones Android que j'ai pu tester depuis le début d'année, qui sont avec le même processeur, avec les mêmes performances. Donc franchement, chapeau bas. Maintenant que tout ça est dit, on va passer aux choses désagréables, on va passer aux points négatifs, les choses, que j'ai à lui reprocher. Alors si, j'ai quand même 2-3 choses à lui reprocher, parce qu'on n'est pas sur du 10 sur 10, on n'est pas sur une perfection absolue, même si honnêtement, on n'en est pas loin, et encore une fois, ce prix-là, de toute manière, ça reste exceptionnel. Je voulais quand même parler de l'autonomie, qui est loin d'être son point fort. La batterie, elle est toute petite, compte tenu de ce qu'on trouve actuellement sur un smartphone, parce qu'évidemment, la batterie qui est là-dedans est supérieure à tous les smartphones que j'ai derrière moi, par exemple. On est en dessous des 4000 mAh, de mémoire, on est vers les 3800 mAh, donc c'est pas beaucoup, parce que maintenant, quasiment tous les smartphones vont être vers les 4000-5000 mAh. Et malgré le très bon processeur et la très bonne interface Samsung One UI, eh bien, il est difficile de tenir une journée, alors j'exagère un peu, une journée, on va dire, standard, si vraiment vous faites pas de navigation voiture, si vous ne faites pas de jeux vidéo, vous pourrez tenir la journée sur batterie sans le recharger. Mais si vous faites du Waze ou si vous faites du jeu vidéo, eh bien, il sera très difficile de tenir la fin de la journée sans recharger votre smartphone. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le défaut numéro un du téléphone. Ça ne me gêne pas depuis une semaine que je l'utilise. Franchement, c'est pas quelque chose qui m'énerve. C'est pas quelque chose où je me suis dit, oh là là, c'est très chiant ce téléphone qui a une batterie faible. Non, 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 honnêtement, ça gère plutôt bien. Genre, je débranche le matin à 8h et généralement vers 20h le soir, je suis vers 20% de batterie. Donc si j'ai l'intention de m'en servir beaucoup au cours de la soirée, généralement je lui remets un petit coup de charge et on est reparti vers les 30-40% pour tenir jusqu'au coucher vers 23h minuit. Donc vous voyez, ça s'utilise bien, mais c'est vrai que c'est pas son point fort. Si vous avez une utilisation intensive de votre mobile, si vous faites de la navigation voiture toute la journée, eh bien sachez qu'il faudra le recharger à un moment ou à un autre. Aussi, je voulais quand même noter que dans la boîte, il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas de coque fournie. Alors les coques maintenant sur des téléphones à 1000 euros, c'est rarissime, mais le chargeur
chargeurs, ça aurait été quand même sympa d'en fournir un parce qu'on est quand même sur un téléphone avec un budget important. Encore une fois, cette année, juillet 2023, on est en dessous des 700 euros maintenant. Mais l'année dernière, vous retournez l'année dernière, on était à 1100 euros. Donc le fait qu'il n'y ait pas de chargeur, ça fait quand même un peu radin, même si évidemment Apple fait pareil en face. Et aussi, justement, en parlant du chargeur, je voulais signaler que la charge, c'est pas une charge rapide. De mémoire, c'est du 30 watts. J'ai évidemment un adaptateur secteur qui est tout à fait adapté justement à la puissance de charge maximum. Je vous mets comme d'habitude le lien vers les chargeurs que j'utilise sous la vidéo. C'est des chargeurs de marque Ugreen. Et donc le câble USB-C qui est fourni dans la boîte, je l'ai utilisé donc avec un chargeur adapté. Et en gros, vous allez avoir 50% en 30-40 minutes. Si vous voulez le recharger pleinement, généralement on est une heure, un quart de recharge. Ça charge, on va dire, assez vite, entre guillemets, mais beaucoup moins vite que des concurrents qui vont aller sur du 70 watts. Donc, évidemment, si vous hésitez sur un smartphone conventionnel qui ne se replie pas, vous trouverez facilement dans ces prix-là. Je pense par exemple au OnePlus 11, mais il y a plein d'autres modèles qui vont prendre de la charge 70 watts, donc ils vont se recharger en une demi-heure, vous allez prendre 100% ou presque. Là, ce n'est pas le cas, donc attention. Et aussi, je voulais quand même rappeler que ça reste du Samsung. Donc, si vous me connaissez bien, si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que je suis gêné par toutes les fonctionnalités made in Samsung qui sont doublons, qui sont très énervantes parfois. Je pense par exemple à Samsung Pay, qui est une plaie, c'est le cas de le dire, parce que j'utilise Google Pay et je pense que 99,9% des utilisateurs Android utilisent Google Pay, donc le Google Wallet, parce qu'il a été renommé il n'y a pas longtemps. Et donc vous allez avoir Samsung Pay qui essaie tout le temps de revenir. Sur la Galaxy Watch, on ne peut même pas désinstaller le Samsung Pay, donc c'est très compliqué. Et aussi on a Bixby qui ne sert à rien, mais Dieu merci, on peut le virer. On a des applications Samsung qu'on peut désinstaller, mais pas toutes. Je pense notamment à cette application Samsung O qui ne sert à rien, qu'on ne peut pas désinstaller. Alors Samsung Health, j'en ai besoin pour ma montre. Samsung Pass, je n'en ai pas besoin et je n'arrive pas à le virer. C'est un gestionnaire de mots de passe. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont quand même un peu relous chez Samsung. Ils ont toujours du mal, ils veulent toujours essayer de copier Apple et donc ils veulent absolument faire comme iPhone avec l'iCloud et avec tous les services Apple. Donc chez Samsung, ils font le forcing. On a toujours ce doublon entre le Google Play Store et l'App Store, Galaxy Store de chez Samsung. Franchement, c'est un peu pénible. Ça, niveau logiciel, c'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire sur cette interface One UI 5.1 qui est vraiment excellente. Évidemment, ça tourne sous Android 13, je ne l'ai pas précisé, mais ça paraît évident. Et aussi, je voulais préciser que ça fait partie des petites choses que je me dis, franchement, c'est assez étrange. C'est que Samsung continue de préinstaller, de forcer pour le clavier Microsoft SwiftKey, qui est franchement horrible. Et de la même manière, on ne peut pas désactiver dans les menus le clavier Samsung qui cherche toujours à revenir, c'est comme tout le reste. Même quand on utilise le Google Gboard, il y a le clavier Samsung qui est toujours là en arrière, on ne peut pas complètement désactiver. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont un peu agaçantes pour un utilisateur avancé qui va vouloir lui-même supprimer les applis qui ne servent à rien, etc. Donc voilà, il y en a certaines qu'on ne peut pas virer, c'est un peu agaçant, mais c'est comme ça. Et aussi, je voulais préciser, voilà, que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de téléphoto, donc pour moi, ça, c'est un vrai manque. Si ce serait le téléphone parfait, il y aurait un capteur pour faire le zoom x2, x3, x3. Et le capteur macro, personnellement, moi, je m'en sers jamais, mais c'est vrai qu'il y aura, on va dire, 9 téléphones sur 10 au-dessus des 1000 euros qui vont avoir un capteur macro, donc c'est un peu un manque, on va dire, sur ce modèle. Alors, je sais que le Motorola Razr 40 Ultra qui va avoir un écran sur toute cette face externe peut paraître plus intéressant justement sur cet aspect-là, mais pour avoir utilisé le Motorola Razr 40 Ultra, et mais il va y avoir plein d'autres téléphones pliables aussi dans ces prix-là qui vont avoir un écran externe plus grand, et honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt, parce que quand le téléphone est refermé, j'aime bien avoir cet écran externe qui est donc évidemment always on display, hein, qui reste affiché en permanence, donc ça je trouve ça très pratique. Et on peut faire justement un paiement sans contact avec Google Pay, avec l'Apple Wallet, le Google Wallet ou Samsung Pay. Quand on va double-cliquer sur l'écran ou le déverrouiller avec l'empreinte digitale, on peut faire le paiement avec le téléphone refermé. Je trouve ça très très pratique, on n'a pas besoin de l'ouvrir à chaque fois. Et on peut avoir aussi accès aux notifications sur l'écran externe. Donc ce tout petit écran externe, en fait, je trouve est beaucoup mieux exploité que l'immense écran externe que j'ai pu tester sur Motorola. Donc encore une fois, c'est pour vous donner comme ça un aperçu de ce que ça peut donner de voir un téléphone qui
est quasiment similaire chez deux constructeurs différents et de voir ce que le software peut apporter comme différence et comme plus-value. C'est-à-dire que le software One UI qui est là est tellement avancé, on va dire, parce que justement, il y a beaucoup d'utilisateurs qui s'en servent, ils ont beaucoup de retours. Ça fait des années qu'ils travaillent dessus et puis Samsung, l'air de rien, ils doivent avoir de bons développeurs, de bons ingénieurs, donc ce qui fait qu'au quotidien, c'est beaucoup plus productif et beaucoup plus pratique et beaucoup mieux pensé que peuvent l'être des interfaces. Je pense notamment par exemple à Magic OS chez Honor, parce que chez Honor, ils viennent de sortir un téléphone qui s'appelle le Honor VS, donc un téléphone qui se replie. Et honnêtement, quand je vois Magic OS sur un Honor 90 ou un Honor Magic 5 Pro, je me dis que sur le téléphone pliable, ça ne doit pas être terrible. Et bah du coup, là, on a vraiment le contre-exemple avec ce One UI qui est vraiment super bien conçu. Sur mon expérience du Z Fold 3 en début d'année, j'avais eu la même sensation. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on peut faire en mode fermé ou en mode ouvert, c'est super bien réfléchi. Et c'est très agréable au quotidien, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que ça fait vraiment la différence. Et enfin, je termine cette vidéo en disant que si je devais lui donner une note sur 10, je suis tellement, tellement épaté et satisfait de voir que il y a encore des constructeurs qui font des vrais efforts et qui sortent de vrais produits nouveaux. Ça fait beaucoup de bien. Et je lui donnerai 9,5 sur 10 parce qu'il est en ce moment à un prix cassé. Si c'était l'année dernière que j'avais pu le tester quand il coûtait 1100€, on serait peut-être autour des 8,5 ou 9 sur 10. Mais là, à 700€ seulement, j'insiste là-dessus, c'est un tarif de fou. C'est-à-dire que pour vous donner un petit exemple, et ce sera vraiment par ça que je vais finir la vidéo, si vous étiez comme moi un utilisateur iPhone, il faut savoir qu'en dessous des 800€ en ce moment, il n'y a aucun iPhone qu'on puisse acheter. Hein, le 14, le moins cher, il est à 979€. Et là, en dessous des 700€, on a un téléphone qui va avoir des capacités techniques équivalente à un iPhone 14. Alors évidemment, on n'a pas du tout le même logiciel. On est sur iOS 16, bientôt 17 sur l'iPhone 14. Ici, on est sur Android 13 avec One UI 5. Mais honnêtement, pour un défenseur Apple comme moi, on est presque sur le même niveau de peaufinage logiciel, j'ai envie de dire. C'est vraiment très agréable. Et encore une fois, je suis vraiment très surpris, très agréablement surpris par cette petite chose que je recommande vivement. Si vous regardez cette vidéo parce que vous avez vu comme moi la publicité qui est franchement très bien faite, si depuis quelques années vous trouvez comme moi que les téléphones qui se plient, ça n'apporte rien, vous les avez manipulés en magasin, vous avez vu ça à la télé, vous avez parfois vu ça dans la rue, des gens qui ont ça. Et honnêtement, c'est vrai que quand on voit ça de l'extérieur, on a un téléphone conventionnel, on se dit ça sert à rien, c'est vraiment du gadget, c'est vraiment pour se la péter. Et ben pas du tout au quotidien, c'est très pratique, ça s'utilise très très bien. Et encore une fois, bravo Samsung, parce que là, ils ont vraiment sorti un très bon produit. Dans quoi? Dans une semaine, même pas, il va y avoir le Unpacked, la conférence, vous savez, c'est un peu comme cette keynote de chez Apple, de chez Samsung, c'est le 23 juillet de mémoire, et donc ils vont révéler la nouvelle gamme Z Fold 5, Z Flip 5, et il y a moyen que ce soit du très bon, même si évidemment ce sera beaucoup plus cher. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça, sinon on est présent sur les réseaux sociaux. Voilà, cette vidéo était un peu spéciale, que ce soit l'iPhone qui filme, que ce soit le fait que je teste ce nouveau micro pour la première fois, que ce soit un téléphone qui est sorti il y a un an. D'habitude sur la chaîne, je fais des téléphones qui sortent très récemment ou qui vont sortir. Là, le téléphone, il est déjà sorti, mais je voulais vraiment, vraiment le tester et surtout vous donner mon avis sur ce smartphone bien spécial. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut !